Toto, qu'est-ce qu'il y a, Todd? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas la grande nouvelle? Non, je t'ai dit, j'étais parti en vacances et je mangeais des bonhommes de neige. Mais on en a rien à foutre de ça, Toto. Tu te rends compte? J'ai plus de 1400 abonnés. Qu'est-ce que tu en penses? J'en ai rien à foutre. Maintenant, tu vas commencer la vidéo parce que je pense tout le monde ne me connaît pas, donc ils se demandent pourquoi tu parles tout seul. Donc va falloir que je te présente. Alors les amis, eh bien déjà, bienvenue à tous les nouveaux Toto Friends. Je suis passé de 400 abonnés à plus de 1400 grâce à la coop chaîne. Donc je vous dis bienvenue à tous, bienvenue dans la grande famille de Tot. Vous êtes maintenant des Toto Friends. Si vous voyez cette vidéo, vous vous êtes bien sûr abonnés. Et il me reste plus qu'à présenter ce cher Toto. Et oui, Toto, c'est moi. Je suis dans la tête de Tot. Et j'aime le faire chier pendant qu'il joue exactement. Vous le verrez apparaître dans plusieurs jeux. Ceux qui le connaissent déjà le traitent comme un ami ou un ennemi, ça dépend. Mais voilà, Toto, c'est plusieurs de mes facettes. En tout cas, je suis très heureux d'être passé sur la coop chaîne pendant ces petites vacances. Et je vous avais promis une vidéo en rentrant à la rentrée, le lundi en rentrant à la rentrée. C'est une magnifique répétition, mais je me suis dit, allez, je vais pas les faire attendre plus longtemps. Une petite vidéo le dimanche, ça peut pas faire de mal, quoi. Et un petit The Walking Dead, alors c'est parti. On finit la petite aparté. Salut, ici Tot. Aujourd'hui, les amis, bien sûr, pour l'épisode number 13 de notre Toto Play sur The Walking Dead. Alors, les amis, déjà, pour ceux qui nous rejoignent encore entre-temps, n'hésitez pas à aller voir les premiers épisodes pour comprendre un petit peu l'histoire de The Walking Dead. C'est très important. Si vous arrivez en cours de route, vous n'allez pas tout comprendre. Et donc, pour ceux qui suivent depuis le début, à l'épisode précédent, il y en a eu des rebondissements, il y en a eu des péripéties. On a dû couper les cheveux de Clémentine. C'est la plus grosse tragédie du jeu. Parce qu'elle était malheureuse. Enfin bon, voilà. On a su que c'était Ben le traître, alors qu'il était 100% contre cela. Donc on a laissé des personnes derrière. On a pris le train. On va devant. Duck est mort. Sa mère aussi. Kenny est au mal en point. Je dirais même dépressif jusqu'à suicidaire. J'espère qu'il n'ira pas jusque-là. En tout cas, je l'en empêcherai parce que c'est mon meilleur pote dans le jeu. Donc, on va tout faire, les amis, pour le garder en vie. En tout cas, on était dans le train. Le voici. Ah, notre cher. Ah, c'est pas Doug, c'est... comment il s'appelle, lui? Je ne sais plus. Je l'appelais Justin Bieber, yeah. Oh, Kenny, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'arrête-t-on? Clementine, attention. Oh my god! Mais, le camion citerne est en train de faire un parcours. Oh my fucking god. Fuck. Calme-toi, Kenny. Ça va aller. Ça va bien se passer. Déjà que ça va pas pour Kenny, alors. That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. Non, Ben, tu te tais. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. It's gas or diesel. Oh fuck. Something that's gonna explode. Pour une fois qu'on n'est pas content de trouver de l'essence. This a crew here. Ooh, French kiss. This. Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Dépassant. Et ce ne sont pas des Toto, des zombies. Non, nous sommes amicaux, mes chers amis. Regarde, je souris. Je suis un ami. That's what everybody says. Mais je souris, moi. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of me. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Ok, mon cher Kenny, allons-y. J'ai le flingue, je passe devant. C'est parti, my friend. Oh, ça fait longtemps que... Bah, ça fait une semaine que je n'ai pas joué à ce jeu. Ça fait du bien de t'y rejouer un petit peu. If I come up there... You better not be murderers or thieves. Ouh, attention là, je ne souris plus. Ouh, attention, il va y avoir de l'action. Let's go. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Allez, dites-moi vos noms. I'm Omid. Omid. Krista, what's the deal with the train? We're driving. C'est un peu devant. Oh, man. Bon, ça pourrait... Bah ouais, on pourrait avoir besoin d'aide pour pousser un petit peu ce camion qui fait un peu le bordel sur la route. What's in it? Clementine, attention! God damn, you guys have a kid! Ah, Clementine. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear.
Oh, this is great. See, things are looking up. You're not her dad. He down voilà, there? Vous voyez, les amis, à chaque fois qu'on voit Clementine, on peut que sourire. To me? And no, he's not down there. Huh. What's your story? Je l'ai trouvé. J'allais en prison. Clementine alone. Lol. First day all of this Lise s'agenouille pour se relever juste après. Sick. Do you have any prison tats? Didn't make it that far. And everybody down there, they're cool. Mais bien sûr, c'est mon groupe. En fait, les trois propositions. Ah voilà, c'est Chuck. Les trois propositions sont bonnes, mais je vais quand même souligner que Kenny a perdu Kenny sa femme et son fils, parce que voilà quoi, c'est un petit peu le gros problème de notre groupe. I don't know. Four? Maybe 2 hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. That tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. Okay, we'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Si on le fait tomber, ce sera plus simple pour passer. Attendez, parce que moi, si on le fait tomber, on le fait tomber sur les rails. Donc je vois pas après comment le faire bouger. Bon, je vais peut-être le pousser. No peut-être que j'ai une force de ouf. Apart down there. Non, je peux pas le pousser. Voyons un petit peu quelles options nous avons, my friend. Le tout est de pousser ce gros truc. Je crois bien que le mec qui conduisait ce camion a fait une petite fête la veille. Et bon, il a embrassé une autre voiture. Bon, hein. Vous voyez, les amis, il ne faut pas trop boire. Voilà ce que ça peut donner. Ça peut barrer la route. Oh, voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi ça? J'ai pas pu lire ce qu'il y avait sur le camion. Yes, je vais jouer au mec qui répare les routes. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais jouer au FRS. Oh yeah, motherfucker. Je vais prendre un cône et me le mettre sur la tête. Et là, j'aurai la classe. Oh, that's about the only useful thing in here. C'est du scotch? Je crois que c'est du scotch, my friend. J'ai pas empty. Pu, pourquoi? That's what I figured. Bon, ce n'est pas grave. On a eu du scotch. Je crois que c'est ça. Hein. Je vois l'icône à gauche. Hein. Vous pouvez le voir aussi, my friend. On va redescendre. On va voir un petit peu ce qu'il y a en bas. On va en parler à Kenny, Ben et tout. Et Chuck. Voilà, c'est Chuck. Guys, this is Omid and Krista. Ah voilà, Omid et Krista aussi. Faut que je me remette. Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is bon. Cool. Ces deux-là viennent avec nous. Déjà, ils sont dans notre groupe. We'll plus on est fou, that. Plus il y a de risques. Gotta be careful about newcomers, I say. I don't know what it is. I could tell you two are good people. C'est une bonne impression. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably oh, regardez ça, Ken. Someone might want to have a look inside of that quoi station qu'ils disent, back there, quoi qu'ils disent, je suis maintenant il va plus sourire une seule fois du jeu. Ça, c'est très, très contraignant. Oh! Ne serait-ce pas Justin Bieber qui joue de la guitare? Il est heureux. Ou alors c'est la musique? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je croyais que Lee était en train de... Ah, voilà. Yeah! Vas-y, je danse. Wow! Ça, c'est du rock and roll. C'est nul. Bon. Kenny est là-haut. Où est-ce qu'on peut aller, my friend? Est-ce que je peux essayer de tirer avec ma force surhumaine? Serait-ce possible? Je pense. Allez, je peux le faire. Et là, boum! Ce serait pas mal. Oui, ça, j'avais bien compris, mon cher Lee. Donc, on ne peut pas aller là. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Gare. Ah bon, on va aller à la gare. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver à la gare? Des petits trains? Allez, voyons voir. Oh! You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team. Oh, t'as raison, ma chère Clementine. Reste avec moi. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Let's go, my friend. Ouh. Oh là là, je me demande ce qu'il fait voir. Clementine, je vais te trouver un petit train dans cette gare. Voyons voir. Survivors in... Oh, non. Survivor inside. Somebody must have been pretty desperate. Pour les intimes, il y a des survivants qui mangent de la choucroute là-dedans. Bon, je sais pas si c'est vraiment la bonne traduction, mais... Oui, on va voir ce que c'est panneau. Daubenay Fine Silver. Tiens, pour ceux qui jouent au jeu des marques, ça peut être une marque. Lol. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Par où qu'on rentre? Oh, Clementine, as-tu trouvé quelque chose? J'arrive.
Tu m'as l'air bien placé, là. Il doit y avoir une porte pas loin. J'arrive. Incoming. Oui, oui, je sais que t'as trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, un panneau? Non, il faut pas rentrer. No entry, vous vous souvenez, dans Portal 2? Pour ceux qui me suivent depuis un moment. No entry, bah, je vais rentrer quand même. Sorry. Oh, sorry. Luckily, it's locked. La prochaine fois, tu sors. Better working together. À chaque fois, je la vois sourire comme ça, c'est... Oh. C'est voilà, voilà, c'est la bonne humeur qui revient. Bon. Bon, ça marche pas. On va voir comme ça. Bah non, ça marche pas non plus. Peut-être lis si tu essayais de tirer la porte. Des fois, c'est complètement con comme ça. Hein. Dans les magasins, on se fait avoir comme ça. Oh! Mais oui, tu pourrais, ma belle Clementine. Fais par contre très attention à toi. Sounds good. Allez. Mais tu fais super attention, d'accord? Attention à toi. Qu'est-ce que tu vois? I can see in. What do I do now? Qu'est-ce que tu what vois? Do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that c'est we vrai. Have oh, time. I think I opened it. Non. I think c'est vrai, Clementine. So. Clementine, si tu as fait ça, tu es vraiment la big boss. Like Big Boss, like Clementine. Elle est trop forte, ma petite Clementine. Bon, on va y aller mollo, d'accord? Tu restes derrière let's moi. Go. Be careful. T'inquiète I'm pas. To tell you that. Oui, c'est vrai. Les rôles s'échangent. Mais bon, ça me fait plaisir. Elle tient à moi et je tiens. Pas de problème. Salut tout le monde. Est-ce qu'il part en fait des gangbangs? Hein? Maybe I can hold the door open? Ouais, bonne idée mon cher Lee. As-tu quelque chose pour coincer dans la porte? Mais bien sûr, cette clé à molette que j'avais utilisée, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Nickel. Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Porte de la cage. Chalumeau, étagère vide. Voyons voir déjà la porte. Pouvons-nous l'ouvrir? Bien fermé. Oh my god. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Clémentine, je vais te parler après, je vais regarder juste ce qu'il y a avant dans cette cellule. Je crois que c'est une cellule, hein. Dans une gare, c'est bizarre quand même. Over there? Un chalumeau. Ah oui, pour casser justement ce camion qui est un peu bourré sur la route. Oh, un espace pour ma petite Clémentine. Lucky I'm so little. Oui, c'est pour ça que tu es si utile, ma chère Clémentine. Encore une fois, fais super attention à toi. Okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. Let's go, my friend. Let's go, Clementine. Ce que j'ai peur, my friend, c'est que dedans, il y avait écrit Survivor Inside. Come on. Les survivants sont petits. Oh, qu'est-ce qui se passe, Clementine? Behind you. Oh my god, Toto, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Toto, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Oh, tu t'en vas. Ah, regarde, il y a ma copine avec. Oh my god, comment je vais faire? Non. Oh, punch. Toto, je ne sais pas que je ne t'aime pas, mais. Non. Oh. Bah d'accord, je n'ai même pas eu le temps de... Oh Toto, qu'est-ce que tu fais? Bah j'aime bien la saucisse. J'aime bien les intestins, tu vois, tout ça. Ouh, bah dis, ça fait mal. J'ai même pas eu le temps, my friend, de réagir. J'ai pu en taper qu'un seul. J'ai pu taper que la copine de Toto, je sais pas pourquoi. Toto, pourquoi tu fais ça? Parce que... je t'aime, Toto, et tu sens bon. Oui, Clementine, je sais, il y a un zombie derrière moi. Oh! Non, il y a un zombie. Allez, hop. Et voilà, il se fait encore avoir. Mais Clementine, la... Le gun est avec toi maintenant, tu peux le faire, je le sais. Allez, hop! Punch! Non! Je me fais encore avoir, d'accord, j'ai compris. Tu aimes la saucisse, hein, Toto? Oui, j'adore ça. Bon, j'ai bien compris, my friend, il faut que j'aille aller chercher le petit truc là-bas, je sais pas ce que c'est, la clé à molette, je sais pas quoi. Parce que Lee l'a regardé d'un petit œil. Il faut que t'ailles la chercher, Toto. Come on. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Et voilà, je me fais manger. Qu'est-ce qu'il y a, Clementine? Behind you. Justin Bieber. Oh my god. Ça serait pas mal. Oh. Et hop là, hop, je me fais voir, voilà, pas de problème. Et là, je vais chercher la molette, la clamolette. Oui, la caméra en plus est dessus, il faut y aller maintenant. Allez, recule. Yes. Wouhou. Like a big boss. Allez, maintenant, Toto, tiens. Je te remets en place. Non. Oui. Bien, allez, continue. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait du truc comme ça. Headshot. Quand tu sens Toto, oh là là, j'ai ça, je deviens marteau avec ça. Non, c'est une clé à molette. Oh bon, bah tu m'as bien eu là. Oui, je sais. Oh, Clementine.
T'as eu trop peur. Bon, c'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, tu m'as laissé mourir deux fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as eu peur, c'est tout. C'est rien, Clémentine, c'est rien. Oh my god. Keys, now. Vite, Clémentine, donne-moi les clés. Vite. Et bien sûr, comme je connais Lee, je vais devoir ouvrir voilà le truc moi-même. C'est pas vrai, Lee, t'es vraiment assisté. Non, pas avec la main, avec la clé, vite. Clémentine, vite. Allez, hop. Toto, ne touche pas à Clémentine. C'est clair. Excuse-moi, Toto. Elle est appétissante. God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. Ça va. But we're okay. Clémentine n'a pas l'air trop effrayée, c'est bon. Ah. What's going on? Bah voilà, tout va mieux. La souris. We're fine. Pas de problème. Eh bah toi, tu arrives un peu en retard, Christy, Christa, Christ, Christ, voilà, je sais plus quoi. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Bah oui. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, j'aime bien faire du 1 vs 3, presque. Bon. On a géré. Parce qu'on est une team et on est trop fort. What if you had OP? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Yeah, Clémentine. Vous voyez, même si les gens sont de mauvaise humeur, clac, un coup Clémentine, et là, ta mauvaise humeur s'en va. I hope you know what you're doing with her. Ouh, lolololol, on est toujours vivant. Qu'est-ce que tu fais là? There you are. Ouais, je te vois venir, toi. Christa, voilà, Christa. Je pense à Agatha Christie, Christa. Prenons le chalumeau, my friend, c'est exactement ce qu'il nous faut. Hop! We got it. Oh my fucking god. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Non. On a appris à ne pas avoir peur. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire en plus, my friend. C'est juste, elle a eu peur sur le coup. C'est normal. Yeah, you're right. La prochaine fois, elle y arrivera, j'en suis certain. You understand? Yeah, Clémentine. Bon, voyons voir. Est-ce que je peux pas... Mais non, je vais pas prendre une étagère vide. Lee, s'il te plaît, réfléchis un petit peu. Excuse-moi, Todd. Normalement c'est bon, je vais pas parler à Clémentine, j'ai dû parler il y a deux secondes. Sortons, nous avons le chalumeau. Oh yeah, chalumeau, on va se faire griller des marshmallows. Pardon. Bon, allons faire un peu le ménage sur ce camion un petit peu gênant, j'ai envie de dire. Kenny, j'ai ce qu'il faut. Bah, il est où le chalumeau, Lee? I found a blowtorch. Tu l'as mis dans ta poche? Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Lee, le chalumeau. Bon bah Lee a les super pouvoirs de Link. Je ne sais pas si vous les connaissez, my friend, dans The Legend of Zelda. Vous pouvez avoir des bombes, un grappin, des gants de force, n'importe quoi. Vous pouvez tout mettre dans votre poche, même si Link n'a pas de sac, Lee non plus. Il a juste le gun qui dépasse du pantalon, mais sinon c'est un pantalon qui peut contenir jusqu'à 100 litres d'objets en tout genre. Et oui, my friend. Allez, hop, je vais le sortir de ma poche. Tadam! Eh, like Big Boss, like Toto. Bon, continuons. Hi-ha! Shit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? What's up? The hose has a leak in it. Oh, fuck that shit. Ah, mais c'est bon. Je peux être sensible. C'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai du scotch. Oh là là, Doug sera là, il ferait. Tu vois ce scotch? Je le connais. Il a... Oh ouais, j'espère que ça va tenir. Ce scotch, il m'a déjà servi. Et il est très bon pour boucher les chalumeaux et autre chose. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Yes. Oh! Oh! Merci, mon ami. No sweat, man. Merci, Omid. The smallest cut and it'll go. Wow! Bon, deuxième essai. Fais attention à toi, Lee. Je ne peux pas l'atteindre maintenant. Bon, Omid, comme tu aimes bien te suicider, tiens. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No. I'm gonna dangle you. Ouais, c'est exactement ça. Lee est 10 fois plus fort que ce cher Omid. Allez, tu peux faire. Ne tremble pas, s'il te plaît. Voilà. N'aie pas peur, tu vas juste tomber dans deux secondes, je vais te lâcher. Oh! Oh! Oh my fucking god! Toto, tu m'avais pas prévenu que tu allais faire une fête ici? Excuse-moi, Toto. Bon, voilà quoi. On fait ça sur Facebook et trucs du genre, tu vois. Je fais les invitations et t'as tous mes amis qui viennent. Oh, il doit être humilié, t'as beaucoup d'amis, Toto. Oui, on doit y aller maintenant. Omid,
Allez, au mid. Dépêche-toi. Allez, au mid. You can do this. Allez. Yes. Like a big boss. Oh, oh, oh. Mais c'est pas tombé sur les rails, là. Allez, Kenny, envoie la sauce. Là, il faut vraiment se casser. T'as pas oublié ta guitare, Justin Bieber, pas de problème. What is the fuck? Oh, fuck. Vite, 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 il faut descendre. Non, c'est pas sérieux. Bon, il va falloir la faire à... Je sais pas, y'a trop de trucs qui arrivent. Sauter. Lol, Lee, tu es vraiment un madman, j'ai envie de dire. Bon, saute. Allez hop. Si, tu sautes, dépêche-toi. Sinon t'auras une fessée. Salut. Petit noob. Allez, viens là, dépêche-toi. Saute. Non. Mais c'est pas vrai, mais c'est un gros noob. Vite, dépêche-toi. C'est pas le bon plan. J'espère que c'est ton mari hein, pour aller rechercher comme ça. Toto va pas trop vite, mais attends, je fais ce que je peux quoi. Qu'est-ce que je fais? Attraper Omid ou Krista? Krista, elle est plus jolie. Non, ça par contre, c'était pas un très bon jugement. Quoi? Mais. Il faut savoir! Vous êtes pas sérieux. Mais non, c'est bon, il va. Voilà, il est là, c'est bon, j'ai pour en lui. Regarde ça. Regardez ça, il a carrément une jambe, je sais pas, il doit y avoir une grosse fracture, un ligament de pété. Bon, non, c'est pas de problème, il te fait un sprint à 80 km/h, pas de problème. Bon, bah, salut Toto. Salut Toto. On vivra à ta santé. Yeah, bonne année. Bonne année à tous nos Toto Friends. Merci Toto. Non, we're okay. Par contre, Omid, je crois qu'il a plus de jambe. C'est ce que j'avais dit. We're fine, Clementine. We're fine. Bon, allez, ça va, l'accident est passé. Mon Toto boit pas trop, hein. Tu conduis après. Ouais, t'inquiète pas, Toto. Je gère. Bon. Et bah dis. Oh. Serait-ce donc la ville de Sevein? Si c'est ça, ce serait vachement bien. Mais oui. Oh, Clementine. Oh. Oh. Elle a fait Kenny. Kenny qui pleure. Allons voir ce cher Kenny, je lui ai pas beaucoup parlé. Non, allez, Clementine. Ah, elle a fait que toute sa famille. Oh, fuck. Ça fait un petit coup au cœur. Non. Oh, Doc, il est si bien fait. Aussi moche que dans la réalité. Next stop, the Atlantic. L'Atlantique, ok. L'Atlantique, donc on est... Ok, je vois à peu près où on se situe par rapport aux États-Unis. À droite, my friend. Juste comme ça. Ouais, ça c'est. Je lui ai promis en plus. Ouais, mais je lui ai promis quoi. Ouais, je lui ai promis et moi, les promesses à Clementine. Tout ira bien, ne t'inquiète pas, mon cher Kenny. Fais-moi confiance. Ça va aller. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. Sympa, Kenny est au plus mal. Je te laisse dans tes pensées. Oh, serait-ce les parents de Clementine? Ouh, ça ce serait bien quand même. Oh, can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. Now, what I need. Qu'est-ce que c'est que ça? Holy shit. I thought that fucking thing was broken. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Clementine, à qui tu parlais? Dites pas parler aux inconnus. Ouais, bof. Ah oui, là ça va compliquer les choses, my friend. Quelqu'un est au courant de tout, il sait comment je m'appelle. Aïe aïe aïe, mais il ne sait pas que Toto est mon allié. Je suis pas ton allié, Tot. Oh, prochainement, dans The Walking Dead. Oh my god! C'est un peu. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents, but Savannah's more dangerous than I thought it would be. Oh, Clementine. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Des gens cassés. Un Kenny pas content. Un Tokyo qui a fleur. Out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! Ouh, je me demande bien qui c'est ce mec-là. So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? Oui, Clementine, réponds. Non, réponds pas.
ça sera pas cool. Oh, Ali pas content. C'est dans The Walking Dead épisode number 4. Yeah. Alors, faut que je me rappelle un petit peu de ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez shooté, ouais, plutôt tiré sur la fille qui était dans la rue? Oui, je l'ai shooté et voilà, 60% des personnes l'ont fait, c'est bien. Est-ce que vous avez abandonné Lily? Non, il y en a qui l'ont pas abandonné. Bon bah je vois que j'ai pas fait le bon choix. Alors vous aviez raison. Est-ce que vous avez tapé Kingy? Oui, voilà, je lui ai parlé un non-violence. Ah, il y en a qui l'ont tapé carrément. Bon, bah, sympa. Est-ce que vous avez tué Duck? Oui, je pense que c'était la meilleure solution. D'ailleurs, la majorité presque a fait la même chose. Est-ce que vous avez aidé Omid? Non, je ne l'ai pas aidé du tout. Je crois que c'était le mauvais plan. Hein. Il ne faut plus aider les filles dans ce jeu-là. Bon, eh bien, c'est le chapitre number 3 qui se termine là, mes amis. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, les amis, je fais une petite parenthèse quand même. Je sais que ce jeu-là, il est sorti en version anglaise, hein, pas de problème. Hein, jusqu'à la fin, il y a 5 chapitres, on est au numéro 3. Mais les traductions françaises ne sont pas encore sorties, du moins, je ne les ai pas encore trouvées. Donc, je pense que je vais devoir retarder The Walking Dead. Je ne sais pas si vous l'aurez pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous préviens dès maintenant. Comme ça, si vous ne l'avez pas la semaine prochaine, vous savez pourquoi. En tout cas, que de suspense on nous laisse sur notre fin. Un mec qui parle dans notre talkie-walkie de Clémentine, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Moi, je vais lui péter la gueule, moi, parce qu'il parle à Clémentine comme ça, là. Bon, je me calme. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore un Toto Friends pour ne pas rater les prochaines vidéos sur The Walking Dead et autres. Encore une petite aparté, comme vous êtes beaucoup plus nombreux, vous êtes plus de 1400 et je suis encore très 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 fier. Merci à la Coop Chain pour cette opportunité juste invraisemblable. Je pouvais pas rêver mieux, quoi. Et je vous rappelle quand même que j'ai un forum et un site internet dont le forum est un petit peu plus important, où vous pourrez discuter avec moi, vous pourrez parler des prochains jeux. Si par exemple vous avez trouvé la traduction française, ou si vous savez qu'elle est sortie, vous pouvez poster sur le forum. Les liens sont sur la description de la vidéo ou alors sur la description de ma chaîne sur l'accueil. Enfin voilà. Donc je vous dis salut à tous, c'était Todd pour l'épisode number 13 de notre tout au play sur The Walking Dead. Chapitre 3, le prochain sera chapitre 4. En tout cas, je vous dis salut à tous, c'était Tot. Et à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Oh yeah! Un blindage et deux bombes. D'entrée de jeu, ça fait très plaisir. Je vais utiliser mon bobo et l'empoisonner. Oh mon dieu, sa vie! Regardez sa vie! Comment la...